vous avez là face à vous le GTV6 production dit Alfetta, puisque c'est donc la série Alfetta qui est née en 1972. Et ce coupé GTV6, lui, est apparu en fin 1980 pour disputer dès l'année suivante le championnat de France de production. Donc Alfa Romeo a commencé, donc ça va être 30 ans cette année d'ailleurs. Alfa Romeo a débuté avec cette auto-là en 2 litres et après ces voitures ont été équipées du V6. Donc cette voiture que vous avez là devant vous est une voiture avec laquelle Snobeck et Cudini se sont illustrés en 1983 et 1984. D'ailleurs ils ont remporté ces deux années-là le championnat de France de production. Et donc vous avez une des 11 voitures spécifiquement gréées pour la piste. Et donc cette voiture qui est dans sa livrée d'origine. Ce championnat, donc, comme son nom l'indique, championnat de France, uniquement pour la France bien sûr. Et cette petite série de voitures de course a donné naissance à une série pour la route de 300 exemplaires de production en 2 litres et 2,5 litres. Qui avait une décoration spécifique, un équipement, carrosserie un peu spéciale. Uniquement pour la France aussi. Ouais, une série limitée faite par Alfa France avec l'équipementier Stand 21. Cette voiture de course, c'est une cylindrée, un V6, donc 2500 cm3, qui dans cette configuration carburateur fait à peu près 230 chevaux d'hymne, et en version injection, en frôlait les 280. Son palmarès, donc 2 années de suite, donc les pilotes Dany Snobeck et Alain Cudini ont remporté le championnat de France de production au volant de ces autos. Et donc c'est une... après il y a eu un petit peu un passage à vide chez Alfa Romeo et il a fallu attendre à nouveau la 155 et la 156 pour voir, alors là dans les championnats étrangers, DTM, ITC. Cette voiture en fait, ce coupé GTV6 Alfetta représente la dernière propulsion de la marque en fait. C'est la toute dernière vraiment propulsion avec un moteur 100% Alfa Romeo. C'est une voiture qui a parcouru tous les circuits de France et de Navarre je dirais. Et qui continue de rouler à quelques occasions en démonstration, course de côte et circuit malheureusement peu parce qu'elle fait trop de bruit, donc elle est un petit peu pénalisée. Malheureusement, c'est le problème que l'on rencontre aujourd'hui sur les circuits, le bruit. Celle-là est d'origine, telle que vous la voyez là, elle est complètement d'origine. J'ai jamais eu l'occasion de la conduire, non, j'étais juste passager mais pour l'amener ici, mais bon, c'est tout. Beaucoup de bruit, un confort bien sûr comme il n'y a pas de siège, donc déjà inconfortable forcément, des bruits de transmission très présents dans l'habitacle, mais bon, on sent qu'il y a une puissance qui ne demande qu'à parler. L'anecdote, c'est que je roule au quotidien avec la version route, qui est le GTV production, qui est une petite série limitée de 300 exemplaires, donc évidemment ça n'a rien à voir, hormis la carrosserie, une ligne identique. Évidemment, bon, c'est une auto que je roule au quotidien, donc voilà. Mais sinon, non, malheureusement, je n'ai pas vraiment de souvenirs avec cette voiture-là. Enfin, les avoir vues à l'époque à Montlhéry, ici, un petit peu, à l'époque où elle tournait. Mais si, c'est le souvenir qu'on peut avoir, c'est le bruit, surtout le V6, ce bruit mélodieux et fabuleux du V6. Le V6, c'est vrai que pour en avoir eu plusieurs de route, écoutez, il y a des performances assez fabuleuses. Moi, je me souviens d'avoir fait un Paris-Lille en 1 heure. Bon, c'était au siècle dernier, c'est une époque où, bon, on pouvait. Donc c'est vrai qu'avec une consommation tout à fait raisonnable, d'ailleurs. Commercialement, oui, ça a été un bon produit pour la marque Alfa Romeo, ça s'est bien vendu. C'est vrai que c'est une voiture qui laisse un souvenir à ses anciens propriétaires, enfin, beaucoup de souvenirs. C'est vrai qu'il y a une mélodie de ce V6 qui est fabuleux, il y a des performances évidemment qui sont à la clé, et il y a une ligne aussi qui est quand même assez Giugiaro, qui faisait suite au coupé Bertone. Donc c'est très, très anguleux, très typé années 70, mais on a une très très belle auto et vraiment une voiture à mettre de côté dans son garage pour tout Alfi digne de ce nom.